J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Alors, mon téléphone me dit qu'il me reste 34 minutes à filmer parce qu'en fait, il y a une vidéo de plus de 40 minutes que je n'ai pas mise en ligne et programmée. Et donc, j'espère. Non, ça ne va pas durer 40 minutes pour ça. Alors, j'ai commandé ça chez AliExpress. Pour tester, donc je l'ai reçu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février. Elle aurait dû arriver le 6 mars. Donc je suis contente. Alors c'est dans des emballages poubelles noires là. Mais bon, ça ne s'abîme pas plus. Et donc c'est un point de croix. Alors je vais avoir la surprise en même temps que vous. J'ai commandé pour tester. Une petite kekoshi, là, c'est comme ça qu'on dit? Une petite kekoshi, oui. Voilà, donc c'est cross-stitch. Create Classic Taste Art Origin. Alors, je ne sais pas quelle société c'est. C'est sur le site Meian Official Store. Je vous le marquerai là. Voilà. Parce que j'ai potassé, j'ai cherché, tout, voilà. Et j'ai montré à mon mari deux, et j'ai choisi celle-ci, et au moment où j'ai validé, il m'a dit non, prends l'autre, trop tard. Voilà. J'avais pas envie de supprimer, de machin, et de tout, et de voilà. Donc, je vais tout sortir. Alors, je sais que chez AliExpress, oh là là, il y a des choses dedans. Chez AliExpress, il me semble que les fils ne sont pas sur une cartonnette. Alors là, j'ai quoi? Ben, ça doit être la feuille de route. Je ne sais pas combien il y a de couleurs. Peut-être ça sera marqué, ouais, sur la. Alors par contre, voilà. Oraloa! Regardez un petit peu ce qu'ils nous mettent au lieu de mettre deux aiguilles toutes seules. Regardez ça, le petit ciseau là, comme ça. Enfin, une petite pince coupante. Alors, si j'arrive à l'ouvrir déjà, sans me couper, hein, ça sera pas mal. Ça coupe du feu de Dieu. Elle couine un peu là, mais ça coupe du feu de Dieu. Donc, j'ai ça avec. Ça, je suis contente. Hein. Hop, on va le mettre là. Et j'ai le tout le kit. Voilà ce qu'il faut faire dedans. Alors, j'ai un enfil-aiguille. J'ai le petit pompon avec. Combien il y a d'aiguilles là? J'arrive pas à voir. Un, deux, trois. Trois aiguilles. J'ai le petit anneau protecteur, mais bon, je m'en sers pas. Et le découvite. C'est tout ça. C'est hyper, hyper. Voilà, là, vous avez tout pour commencer votre kit, quoi. Voilà. Alors, ensuite. Ah, mais ils ont mis les cartonnettes. D'accord. J'ai quand même mes cartonnettes. Donc, forcément, ben. Oh là là, les fils. Alors, attendez. Je vais vous montrer d'abord la toile. Elle est toute douce. Pourtant, c'est du 11C. Ah! C'est pas du 11CT! C'est du 14, j'avais le choix. J'ai pris du 14, moi? Ouais, ça doit être du. C'est marqué où? Alors, c'est Warm Prompt. J'ai 38 couleurs. La toile est toute douce. Par contre, c'est limite, hein, les impressions. Mais c'est du 14CT. Attendez, je sais plus. Je sais même plus, hein. Je me suis dit avec des fils comme j'ai. Ouais, c'est du 14. C'est du 14. Alors, j'ai le patron, comme ça. C'est un peu froissé, mais bon, je vais l'aplatir. Voilà. Donc, le patron, ben, il est très, très bien, quand même. Il est froissé, mais je vous dis, je vais le mettre tout en bas de mon porte-vue où il y a toutes mes toiles de diamonds. Ça va bien s'aplatir, bien comme il faut. Voilà. Ah, ben, c'est là, la DMC. Il y a marqué DMC en plus. Alors, j'ai 38 couleurs. Ouais, j'ai 38 couleurs. Voilà, regardez. Ça, donc, ce sont les couleurs. Et là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette partie-là. Alors, je réfléchis. Ça doit être la fin du. Il n'y a que du full stitch, heureusement. Et donc, ben voilà, je vais regarder un petit peu tout ça. Là, donc, le patron, il est très bien. La toile, alors écoutez, je coupe, je regarde ce que j'ai commandé. Alors je viens de regarder. Alors il marque 38 par 48, mais en fait c'est un 30 par 40. Ma règle, ma règle.
Ouais, c'est 30 par 40. Sans les bords, il y a tout qui tombe. Sans les bords, c'est du 14 CT. Et j'ai pris des fils de soie. Oh, ça brille, mon Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Non, alors attendez, je vais vous montrer comme je les vois moi. Regardez comme les fils brillent. Ah, je vais les sortir. Je vais les sortir, ils sont trop trop beaux, quoi. Il y a les références dessus, alors je trouve pas pour ouvrir. Mais ça, c'est moi. Voilà. Regarde, alors je les vide. Allez, hop là. Hop là. Ah, c'est encore emballé deux fois, quoi. Pour les protéger. Wow. Ah, attendez, la colle, elle colle. Mes fils de soie, là. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Ah, il paraît que ça glisse. Alors, je vous mets un peu comme ça, je monte quand même. Mais regardez quoi. Oh non, c'est trop magnifique. Alors, c'est trop magnifique, d'accord. Il faut que je prépare tout. Ensuite, les brins, eh bien, ça va, c'est pas trop difficile. Il y en a 6, hein. C'est pas trop difficile à séparer. Voilà, donc vous avez des roses. Je vais tout classer, hein. Vous avez des bleus. Regardez-moi ça, ces bleus-là. Ah, et puis ça accroche, hein, c'est tout. Ils auraient pu au moins les mettre en rang d'oignons. Je ne sais pas. Regardez ce bleu électrique-là. Ouf. Alors, le vert, il est collé. Voilà, regardez-moi ces bleus. Là, il y a du turquoise. Là, regardez, il y a du. Alors, je change. Il y a du vert comme ça. Vous avez du vert comme ça. Vous avez, bah ça c'est les mêmes, je crois. C'est quoi la référence 959, 958? Ah non, ça se voit pas, mais il y a une différence. Il y a un Amélie, ma gros. Eh chérie, je te bah cuisine bah une spécialité alsacienne avec des tubercules, des champs légèrement dorés au four. Est-ce que ça te va? bah. Oui, je connais Très pas. bien. Voilà. Ça y est, mon mari il est content, il est dans la vidéo. Alors, j'en étais là, moi. Regardez ces beaux verts. Ensuite, vous avez tout ce qui est rose. Là, comme ça. Ça. Ah! Oh, ben, ça se colle. Regardez-moi ça. C'est le même, celui-là. 600 et 601. Donc là, c'est pareil. Et je ne suis pas content d'être sur la vidéo, mais tu me forces, sinon tu me frappes. Hein. Il dit des bêtises, il dit des bêtises. Voilà. Alors, ça, c'est tout ce qui est donc dans les roses. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. Oh là là. Après, alors ça fait partie des bleus. Ça fait partie des roses. Roses. Je les trie parce que c'est joli. Ah, franchement, je ne regrette pas. Après, comme je vous dis, il paraît que c'est difficile à travailler, que ça glisse. Alors là. Hop, c'était coincé. Donc, c'est à travailler peut-être avec des gants. Je sais pas. Il y a un beau rouge. Un beau rouge, là. Après, vous avez tous les orangés. Comme ça. Là. Là. Un petit peu cannelle. Après, on part dans les foncés. Et après. Ah! Il y a un écheveau de comme ça, là. Celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le numéro quoi? Numéro 37. Non, 3072. Alors, 3072, c'est le celui-là. Donc, ben, je ne sais pas ce que c'est, le 3072. Fais voir le patron un peu. Alors, et puis en plus, là, j'aime bien parce que je vais cocher si j'ai tout. Voilà. Alors, c'est quoi que je cherche? C'est quoi que je cherche? Je parle tellement bien. Alors, où il est le 3072? 3072, c'est du jaune avec une diago rouge. Jaune avec une diago rouge. J'en vois pas. Je vois jaune avec une croix rouge. Et jaune avec une diago jaune. Désolée de vous faire attendre. J'en vois pas. Non, mais vous me connaissez en même temps, hein? Mais écoutez, j'en vois pas.
Je blague pas. Bon, c'est moi qui me trompe, bien évidemment. Tout ça, c'est pas du jaune, parce que le jaune, quand il y a un truc dessus, ça se voit. Là, c'est des ronds rouges et des croix rouges sur du jaune. Ah, la diago, là, j'en ai là. C'est quoi, là? C'est où, là? Ah, c'est à côté de la fleur. C'est par là. Oui, c'est là. Ils ont dû se planter, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup dans la toile, quoi. Combien ils disent qu'il y en a, là? Du 30-72. Il marque 1. Il marque 1. Enfin, j'ai tout ça, quoi. J'ai toutes les chevaux comme ça. Oh, ça brille, mon Dieu, ça brille, c'est doux. Oh, c'est génial. C'est génial. Franchement, je ne regrette pas mon achat. Hein. Je ne regrette pas mon achat. Ah. Bon, enfin, bref. Donc, maintenant, il me reste à trier tout ça, là. Voilà, ça, là, on est dans les blancs cassés, les écrus. Où il y en a? Là. Voilà. Ah, c'est un peu les beiges. Ouais, je vais. Ah, je vais passer du temps pour ma préparation. Hein. Ouh là là, ouais, je vais passer du temps. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non, mais c'est trop, trop beau, quoi. C'est trop, trop beau. Alors, ça, c'est les bleus. C'est là, les bleus, les roses. Les... Alors, ça, c'est emmêlé ou non, c'est collé. Parce qu'en fait, sur la petite bague là qui entoure le fil de soie. Hop, vous avez. Alors, par contre, je cherche le mot silk, mais bon, c'est de la soie, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Ça peut être du polyester, paraît-il. Mais bon, il n'y a pas, vous savez, des étiquettes. J'ai que le... Sur le site où on avait le choix entre coton et soie, on a le choix dans la dimension, on a le choix dans le 11 ou 14 CT. Donc, ça, c'est bien. Donc, moi, j'ai pris la plus petite taille pour tester. C'est du 14 CT. Donc, en fait, la taille, elle va nickel. La toile est toute douce. Alors, évidemment, c'est à surfiler. Voilà. Vous savez que ça ressemble un peu au 18, quoi. Et l'impression, je vais vous montrer de près. Alors, je vais enlever délicatement... Délicatement mes fils, mes beaux fils de soie. Oh mon Dieu, c'est trop trop beau, c'est trop trop beau. Les cartonnettes, je ne les mets pas dessus. Alors, je vais vous montrer de près. C'est un peu, vous verrez. Voilà. Donc, c'est vrai que... Alors, celui que je voulais vous montrer tout à l'heure, il est là. Là, vous voyez, les diagonales rouges sur jaune. Alors attendez, là, voilà, et par contre, ben, j'en ai pas vraiment vu beaucoup pour avoir un écheveau. Alors j'espère qu'ils se sont pas trompés, genre avec les diagos rouges sur fond blanc. Oh là là, il faudra que je regarde bien tout. Enfin voilà, donc c'était pour vous montrer, c'est très clair en fait. Donc j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus foncé, mais bon, ben, ça se fera, hein, ça se fera. Oh, je suis contente, hein. Franchement, je suis hyper, hyper contente. Alors, pour tester, bien évidemment, ben, je pense que je commencerai par le jaune, le numéro 38. Le numéro 38, c'est le 3825. Oh là là, alors le 3825, je ne sais pas quelle couleur c'est. Je vais regarder là. 3825, c'est... Ah non, il n'y a pas la couleur. Il y a juste le caractère, mais il n'y a pas la couleur. Et là non plus, on n'a pas la couleur. Donc, pour trouver le 3825 là-dedans, dans tous mes beaux fils de soie. Oh, mon Dieu. Et le toolkit, quoi. Attendez, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Là, oui. Là, j'ai quelque chose dans les mains. Voilà, j'ai quelque chose de beau dans les mains. J'espère que j'aurai pas de problème. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vais cocher systématiquement tous mes fils, les petits écheveaux là qu'il y a là. Je vais tous les cocher. Je vais les ranger. Je sais pas si pour ça, c'est comme les pelotes de laine. Vous savez, quand vous prenez une pelote de laine, vous allez à l'intérieur, au cœur de la pelote, vous tirez, il y a un fil.
Et là, vous pouvez tirer, tirer, alors que si vous prenez le fil extérieur, vous avez la pelote qui n'arrête pas de bouger et tout. Voilà. Donc là, je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Et pour la préparation de fil, je vais prendre la dimension pour pouvoir le travailler. Donc c'est du 14 CT, donc c'est deux fils, deux brins, en sachant que dans un fil, donc vous avez 6 brins, je répète. Donc là, je vais le diviser. Non, pardon. Je vais. Ben non, c'est. Oui, mais je vais quand même mesurer la dimension d'un fil. Le fil, je le prends, le brin, je le prends et je le doublerai, voilà, pour voilà. Donc vous comprenez ce que je veux dire. De toute façon, je vous montrerai une fois que ça sera tout terminé. Je ne vais pas vous montrer la préparation parce que je pense que ça va être trop long ou peut-être juste un début. Oh les couleurs, mais oh les couleurs. Oh, attendez, faut que je vous montre. Regardez ça. Oh, regardez comme ça brille. Oh non, c'est trop trop beau. C'est trop, trop, trop beau. Voilà, ben, je vous ai montré les fils de soie de près. Et ensuite, ben, j'ai cru que je filmais pas. Donc, je pense que j'avais terminé la vidéo. Donc, j'ai tout rangé à l'intérieur. Donc, il me reste plus qu'à cocher ma feuille de route qui est là pour savoir si tout est OK. Pour préparer donc tous les fils, je vais les mettre sur bobinette. Par contre, je crois que j'ai encore une petite boîte centre-accord que je ne sais pas où je l'ai rangée. Je ne sais pas du tout. Sinon, bah écoutez, il faudra que j'en rachète une. Mais je mettrai quand même sur bobinette. Et donc, pourquoi ça n'a pas filmé? J'étais persuadée que ça filmait, moi. Là, je viens de mettre des trucs dans la corbeille et il me reste que 18 minutes, quoi. Bon, enfin, bref. Voilà, ben, alors moi, je suis hyper, hyper, hyper contente jusque-là. C'est magnifique. C'est magnifique. Il me tarde de commencer, bien évidemment. Ça fera encore un petit peu plus d'encours. Mais c'est pas grave, je veux tester la soie. Voilà. Allez, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'aller voir un petit peu sur le site. Il y avait une coquetterie comme ça qui était dans les tons de bleu, comme mes ongles et tout, c'était magnifique. Mon mari aurait préféré, mais c'était trop tard, je venais juste de valider. Et voilà, donc je vous retrouverai dans une prochaine vidéo où je vais pas faire la préparation comme ça, ananas, parce que c'est trop long. Et donc, ben on commencera la toile... ensemble. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.